Eh bien bonjour à tous, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, on continue notre série sur les meilleures armes par catégorie, et cette fois-ci ça concerne la Volte-H. Donc au début, je vais vous présenter deux Volte-H, donc qui seront basées sur les fioles, donc ça sera des dégâts d'impact, et après ça sera les Volte-H par rapport à l'élément. Donc là, vous avez la Volte-H Fendeuse Abyssale, donc c'est la Volte-H du boss de fin. On retrouve vraiment les armes du boss de fin dans beaucoup 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 de builds. Après, on a la Volte-H du Diablos. Franchement, c'est une très bonne arme en raw aussi. C'est super propre. C'est une arme qui revient souvent aussi dans des builds. C'est quand même des armes qui sont très 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 fortes. Après, on va passer au Volte-H élémentaire. Donc on a des Volte-H du Valstrax. Très bonne arme aussi avec un bon emplacement de joyaux. Si on regarde bien, en fait, toutes les armes que je vous présente reviennent quasiment dans chaque catégorie à peu près. Donc là, on a la Volte-H Broyeur Rampant. Donc c'est la Volte-H Rakna Kadashi. Avec une bonne base élémentaire quand même de feu, 66. Là, pareil, 71. Hurlement Transi. Après, on passe à la Volte-H de Foudre. Donc celle du Narwa. Pareil, la plage est quand même forte, malgré qu'on n'ait pas d'emplacement de joyaux. Après, on va peut-être pouvoir combler ça bientôt avec la mise à jour. J'ai vu qu'on pouvait modifier pas mal de choses, donc j'ai hâte de voir ça. Et on termine avec la Volte-H haut. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous faire plaisir. Moi, je continue de mon côté de farmer et je vous présente très très vite d'autres vidéos de ce genre. Et on n'oublie pas, si vous voulez m'aider, un petit commentaire, un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Allez, à très vite. Ciao, ciao, c'était Nico.